lancer des charges dans tout le périmètre du camp. Vous deux, vous n'avez qu'à les armer. La première doit être juste devant vous. Hey, salut tout le monde, c'est Igor, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Uncharted 2 Among Thieves pour l'épisode numéro 2 de notre nouveau let's play sur Uncharted Drake's, Drake's Collection. Je crois que c'est comme ça, Nathan Drake Collection, sur PS4, en 1080p 60fps pour le petit plaisir des yeux. Et donc bon, j'ai menti, voilà, je n'attendrai pas vos retours pour continuer à tourner, parce que bah, ça fait quand même une petite semaine que j'ai déjà tourné le premier épisode. Voilà, ma semaine de pause est terminée pour moi. Vous en aurez un peu plus le temps que j'upload tout. Même si je pense avoir trouvé une bonne alternative pour pouvoir vous uploader des épisodes rapidement. Donc, si ça marche bien, enfin, si ça me pose pas de soucis particuliers, je ferai comme ça. Et je peux vous dire qu'en termes de vidéos, je pourrais vous proposer les vidéos très simplement. Récompense débloquée, voir le menu bonus, d'accord ? Bon. Donc on se retrouve à Bornéo parce que, souvenez-vous, dernière fois, nous étions réveillés dans un train un petit peu mal en point, enfin un petit peu, comment dirais-je, dans une situation délicate. Et donc ensuite on est revenu un peu dans le passé où on avait, avec Flynn et notre amie Chloé, attendez, là il y a un objet qui va enclencher une cinématique, et donc avec Chloé et Flynn, on avait essayé de voler un musée à... Alors je me souviens malheureusement plus de la destination, je crois que c'est un truc comme Budapest ou je sais pas trop quoi. Toujours est-il que Flynn nous a doublé, il a ramené les infos qu'on avait trouvées à Lazarevich, son patron, et nous, il nous a laissé moisir dans une prison turque pendant des semaines et des semaines et des mois, 4 mois. Et donc Chloé et Sully sont venus nous chercher et on est reparti pour l'aventure, on va essayer de récupérer le trésor, donc c'est parti. On y est. Je vous ai aussi laissé le détonateur. Ah, on y est. Très bien. Première charge en place. Ne touche pas au bouton. Tu es là ? Waouh, le rire ! Le Vous avez placé toutes les charges. Appuyez sur le détonateur et ce sera le feu d'artifice. Ils sauront jamais ce qui les a eus. Oh. Faites attention. Lazarevich a posté des hommes dans tout le périmètre. Vous voyez ça ? Ça, c'est un trésor. Hop. On récupère ça. Voilà. Chasseur de trésors apprenti. J'ai chassé bien plus de trésors que ce que tu crois, mon ami. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre trésor dans le coin ? J'ai pas l'impression pour le moment. Bon, continuons. Je l'ai. Ça, ce qui ne veut rien dire, hein. Nous sommes d'accord. Bon, progressons. Et apparemment, il y a des hommes de Lazarevich dans le coin, on va faire attention. On va recharger un coup rapide. C'est vraiment magnifique, hein, je surkiffe. Par contre, je me souviens plus du tout de ce passage dans le jeu. Ah, je transpire comme une pute à l'église. Ah si, ça je m'en souviens. T'as amené une pute à l'église ? Pourquoi pas ? Ça je m'en souviens. Alors, ouais, descendons ici. Hey, attention, devant toi. Ouais, t'en fais pas. On va s'occuper de ces types, doucement. Attends. Y a pas des trésors qui se planquent dans le coin là ? Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Oula. Non, tu n'as rien vu. Non, tu n'as rien vu. Ferme-la. J'ai dit en silence, Drake. C'est l'inverse de ce que tu fais. Chut. Tais-toi donc, Sully. Aïe, aïe. Vas-y, monte ta tête. Oh. Alors là, j'espère que le skill sera de la partie. Normalement, je suis censé être un petit peu meilleur dans ce Uncharted 2. Qui est quand même un petit peu... Oula. Je tire n'importe comment. Bonjour. Ah non, mais ça, c'est Sully. Ne tire pas sur ton allié. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Non, ça, c'est un arbre. Ok, lui, par contre, il a une mitraillette. Il déconne zéro. Allez, on passe là. Ok, lui on l'a eu. Toi là-haut. J'ai touché. Je crois qu'il est mort. Bon. On l'achève. Alors là. Aïe, 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 aïe. Respecte-moi, poteau, respecte-moi. Voilà, on va en tuer quelques-uns comme ça. Si
si je peux en tuer, parce que je crois qu'il y a des trophées par rapport à ça. J'en attends de tirer là-haut. Il est juste là. Bonjour. Allez hop, bonne soirée. Le flingue qui part à des kilomètres et des kilomètres de l'endroit où il se trouvait. Encore des guns. Pas plus de munitions à prendre. Alors on va un petit peu fouiller parce que si mes souvenirs sont bons, il y a un trésor quelque part. Mais bon, étant donné que je suis un peu mauvais de temps en temps, c'est totalement possible qu'il n'y en ait pas au final. Enfin, je vais vous dire, Antoine, je suis assez maniaque. Du coup, j'ai tendance à vraiment fouiller toutes les zones, mais bon, je crois que vous l'avez vu dans d'autres jeux. Donc, voyons voir. Rien. Bon, toujours est-il que vraiment cette collection, ben, me hype carrément pour Uncharted 4, parce que ben, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué au jeu. Et donc, c'est vrai que, enfin, bon, j'avais joué au 1 avec vous, mais c'est vrai que, bon, le 1, c'est pas mon préféré. Vraiment, mon préféré, c'est le 2. Et donc, ben, je dois avouer que je suis quand même assez content de pouvoir redécouvrir ces jeux, parce que, ben, le 1, certes, ça m'avait fait plaisir d'y rejouer, mais il n'y avait pas le même ressenti. Enfin voilà, je n'étais que très moyennement intéressé au final. Et là, celui-ci me met carrément la hype en fait, cette collection HD. Maintenant que je vois un petit peu la 60 FPS, ça fait plutôt bien. Et ça fait très très envie, hein. ça c'est déjà sûr et certain. Les musiques, tout, enfin. Toujours est-il que lorsque le jeu sortira, bien évidemment, le let's play sera de la partie. D'accord, donc là il y a un site de fouille avec des bateaux. Oups. Bah en fait je vois mal en fait en quoi. Aïe aïe. Mais respecte-moi. Oh non. J'ai failli mourir comme un idiot, hein. Vous remarquerez. Déjà que dans l'épisode précédent c'était pas mal de ce côté-là. Bon, on va prendre la K un peu. Oula, du calme, je veux pas mourir tout de suite, je suis encore trop jeune pour ça. Ah non, non. Ça veut pas. La K-47 est vraiment une très très bonne arme, hein. Bon. Pas trop de surprise de ce côté-là. C'est une valeur sûre, j'ai envie de dire. Prenons quelques balles. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je suis sûr qu'il y a des trésors, donc quoi. Je suis vraiment... Ne tire pas n'importe comment, Nate. Ce serait dommage de perdre des balles. Bon. A priori, il n'y a pas grand-chose. Je vois rien clignoter, donc continuons, écoutez. Ça me rassure, Chloé, merci. Oh, attends. J'ai placé 4 autres charges par là. Mais oh, attends. C'est quoi ça? Où est-ce que ça mène? Ah, mais... What? C'est quoi ce délire? Il y a un truc là, attendez. Bon, c'est pas grave. Nous sommes au premier camp, donc. Voilà le camp. Tu penses être prêt? Allons-y. Bon, allez, ça devrait se faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'infiltrer. Ouais, c'est carré. Sur ce jeu, c'est carré, que je me trompe pas. Ils m'ont repéré ou quoi? Alors, lui, on va attendre tranquillement qu'il vienne vers nous. Parce que j'ai comme l'impression qu'il est plutôt chaud. Hop! Allez, viens là, coup de pied dans les couilles. Alors oui, je vous préviens, par contre, sur ce jeu, je risque de pas trop me limiter en termes de vocabulaire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Le PEGI 18 est largement conseillé. Pour ceux qui sont encore assez jeunes, hein, je tiens à le préciser. Il y a lui là-bas qu'il faudrait réussir à éliminer, mais sauf que lui, il est de sortie. Comment je pourrais faire pour m'en débarrasser de lui? Bah écoutez, je suis obligé de faire ça. Non, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, je te dis. Tourne la tête. Non, c'est pas vrai. Hop, headshot, bitch. Alors par contre, il y en a beaucoup d'autres des gardes, hein, je vous préviens.
On en a pas fini. Allez, vas-y, monte ta tête. Alors, je sais qu'on peut choper une sorte de colt ici. Aïe. Comme je les aime. Hop, expert en tir dans la tête, voilà, ça fait plaisir. J'adore recevoir ce genre de trophée. Voilà. Ah ah, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Le mode photo. Pour un trophée, le Wes. Comme vous semblez bien le connaître tous, je pense, désormais. Puisque dans mon premier let's play, en tout cas sur Uncharted, j'adorais cette arme. Puisque elle one-shot, c'est la puissance. Ah! Alors attendez, par contre, je vais faire juste un truc. Option, jeu, mode photo, non. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, reprenons l'AK. Ah, je savais bien qu'il y en avait d'autres. Mais de quoi... Aïe. Mais ferme-la! Mais ferme-la! Hop, oh, un pompe. Ça me fait plaisir. Hop, sniper, bitch. Je vais te snipuse. Hop, là, ça, c'est fait. Bon, ben, on est plutôt pas mal, là, je trouve. On est plutôt pas mal. Alors, il y avait un fusil à pompe, on va le prendre, tiens. Pour le fun. Bah, tiens, là, il y a un explosif. Activons-le. Alors, il y en a 4. Merci, Sully. Je crois que j'aurais pas trouvé sans toi. Je crois que je n'aurais pas trouvé sans ton aide. Alors, bon, on va reprendre le Defender avec toutes les balles. Ça peut être utile. Ah non, je vais prendre le Moss pour le moment. On va faire un peu de bourrinage. Alors, il y a une bombe juste ici. On va l'activer. Ensuite, on va aller dans la grotte là où il y avait le cadavre là. Enfin, le gars qui surveillait, que j'ai été obligé de tuer en premier. Voilà, qui a disparu d'ailleurs. Je vous ferai remarquer. Il n'y a pas de trésor ici. Ça, c'est quand même assez énorme. J'aurais parié. Non, il n'y a rien. Bon, décidément, il n'y a rien. Oui, je sais. Il y a des... Je sais où il y a les bombes. Hein, t'en fais pas. Enfin, je pense que je les retrouverai assez facilement. Je crois qu'il y en a une par là. J'entends un bip bip. Voilà. Bon, attends, vous voyez, on entend ça. Voilà. Donc, simplement pour vous prévenir, si jamais cet épisode ou un autre vous semble monter d'une manière différente, c'est totalement normal. Je souhaiterais tester un nouveau logiciel de montage pour voir un petit peu sur mon ordinateur portable. Parce que, tout simplement, si ça me permet de faire des montages en mode nomade et que ça me permet surtout de vous faire des vidéos de manière plus régulière sans avoir non plus besoin de mon gros PC, ce serait vraiment pas mal. Donc je souhaiterais au moins essayer, au moins sur une vidéo, donc je ne dirai pas laquelle, vous essaierez de deviner, pas celle-ci en tout cas, mais une prochaine. Alors, ce sera pas non plus une vidéo ultra importante dans le sens où voilà, il faudra tout suivre attentivement. Je cherche la dernière bombe, on va voir si je monte là-haut, qu'est-ce que je peux trouver. Ah, je la vois. Descends. Wouhou! Qu'est-ce qu'il y a là? Rien du tout. Bon, en moyenne, on devrait faire à peu près un chapitre ou deux par épisode, je pense. Okay. Selon la longueur des chapitres. Je sais à peu près où je souhaite m'arrêter. Les épisodes seront assez longs. Parce que si je peux me permettre d'uploader des vidéos de plus d'une heure, de manière rapide, ben, clairement, je vais pas lésiner sur les vidéos longues. Je vous préviens. Après... Voilà, cet épisode sera long, les prochains, j'attendrai très certainement vos retours pour savoir si vous préférez des vidéos longues ou pas. Parce que si personne ne regarde les vidéos longues, ça ne sert à rien. Je te le fais pas dire. Parce que si par exemple je fais que des épisodes d'une heure et que ça n'intéresse personne, c'est pas super sympa parce que voilà, ça me demande plus de temps pour tourner, ça me demande plus de temps à monter aussi. Du coup, si jamais ça ne vous intéresse pas des vidéos plus longues, enfin des vidéos longues comme ça tout le temps, autant faire des vidéos de 20 minutes, une demi-heure, et que tout le monde gagne du temps, quoi, parce que j'ai pas forcément le temps non plus. Donc si au final c'est pour que vous ne les regardiez pas, parce que vous n'avez pas le temps, je préfère économiser mon temps. La pompe est encore là. Ce putain de truc tombe toujours en panne. Allez, faut la réparer pour qu'on se tire de là. Regarde, ils sont pas armés. Oh, pas tant que ça, ils attendent quoi?
peut s'en occuper. C'est pas Sully, peut-être. Les mains en l'air. Oups, bon, on est dans la merde un peu. Allez, dégage. Bon, normalement, ça devrait. Aïe, oh, 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 oh. Tu respectes, mec. Donc là, c'est un petit c'est un petit tuto au corps à corps. Hop. Esquive. Boum. Allez, dégage. J'aurais bien aimé avoir un peu d'aide, là. Eh, hey, tu t'en sortais bien. Un de plus pour toi. Oh, c'est merci, c'est gentil. Ah, la grosse patate dans les dents. Cette frivolité, gamin. On a du boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, frivolité? Surtout que bon, techniquement on les a pas tués nous-mêmes, mais là on est en train de les laisser se noyer, donc c'est toujours, c'est encore plus sympa j'ai envie de dire, au final. Bon allez, prenons la corde, comme dit Sully, assez de frivolité pour aujourd'hui. Continuons. Si on suit les tuyaux, on trouve le camp. Ah, il y a des chances. Les tuyaux, comme à Montréal, hein. T'oublieras jamais cette histoire, hein. Donc là je vous rassure, vous n'avez rien raté, hein, c'est des private jokes, hein, c'est totalement normal si vous comprenez pas. Les fouilles. Non, tu crois pas. Soit tu es sûr, soit tu te tais, Nathan. S'il te plaît. Oh. On n'est pas dans l'approximatisation, là. L'approximation, plutôt. L'approximatisation. Je suis pas tout à fait sûr que ça se dise. Ok, t'es prêt. Attends, attends. Une seconde. Trois mois et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais attendez, on s'est... Commandant ! Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça ? Non, non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, non, c'est pas la peine, t'inquiète. Je suis entouré de traîtres et d'idiots! Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon? Vas-y. Déployez-vous! Fouillez le périmètre! Go! Allez, c'est parti! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. Attention, Nate. On dirait qu'ils ont laissé quelques sentinelles derrière. T'en fais pas, je m'en occupe, je gère. C'est l'heure du feu d'artifice. Oh oui. Allez, toi, tu viens là. Et tu bouges plus. Voilà que t'es mignon. Ah, par contre, j'ai perdu mes armes. Ça, c'est moins cool d'un coup. Passons par là-bas. Bonjour, la discrétion. Je suis la discrétion. Je suis discrétieux. Par contre, ce serait bien qu'on ait une méthode pour se mettre à... Comment je pourrais dire? Pour qu'on puisse marcher discrètement, vous voyez. Bon, bien évidemment, quand on est en zone d'infiltration, je suppose, mais... C'est vrai que ça, c'est vraiment une touche qui manque, selon moi. C'est un peu comme dans l'Assassin's Creed à l'époque. Y a pas cette touche pour l'infiltration, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, j'en vois un au fond, là. Un intrus. Non, c'est pas vrai. Mais je suis le stagiaire. Laissez-moi passer. Je ne suis que le stagiaire. J'ai rien fait. Non. Oh là. Il y a un sniper, mais ça, c'est Sully. Un defender, yes. Bonjour. C'est le stagiaire. Y a quelqu'un? Boom headshot. Ouais, tu vas te calmer, poteau. Ah, mais je lui mets même pas des headshots à cette distance. What the fuck? Je me pensais plus précis que ça, pour être honnête avec vous. Alors attendez, on va se balader un petit peu là. Il doit y avoir des choses à trouver ici. Déjà des munitions, on va en avoir besoin. On a toujours besoin de munitions dans Uncharted de toute manière. C'est très très rare que tu n'aies pas besoin de ton arme dans ce jeu. Hop. J'adore, hein. Franchement, la fluidité du 60 FPS, ça... C'est vraiment magnifique, hein, cette zone. Regardez-moi ça.
Waouh, j'ai trouvé les décors. Ce que j'adore, c'est, vous voyez, il y a cet effet, vous savez, la chaleur, lorsque ce qu'on a devant nous est un peu flou. Mais c'est exactement ce qu'on retrouve là, et j'adore cet effet, je ne l'avais même pas remarqué dans le jeu original. Alors je ne sais pas si c'est un ajout ou pas. Toujours est-il que c'est du plus bel effet. Bon, allons voir ce que Lazarevitch prépare. Oh, ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Sully. Tu verrais ses dossiers. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... depuis le 17e siècle. Le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. C'est censé avoir un sens ? Je sais pas. Attends, ça continue. C'est avec grand peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin, un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi ? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors ? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver ? Shambhala. Là, à Bornéo ? Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas ? Il cherche à retrouver les traces de Marco Polo, direct, jusqu'à Shambhala. Quoi ? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends ? Attends. Oui, je suis là. Au cours de toute leur recherche, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles ? Non, maintenant que j'y pense rien du tout. Pourquoi ? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas ça louche ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Vous iriez où en cas de tsunami ? Le plus haut possible ? Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas ? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Bon sang. Ils sont morts ! Oh, merde ! Dispersion ! Bouge pas, gamin. Je te cours. C'est quoi ça ? Des grenades. Cool, c'est pratique. On se disperse. Bon, c'est moyennement pratique, hein, mais... L2, L1... Double dynamite. L1 pour viser avec la grenade. Allez, la triple ! La triple ! Oh, j'ai chié la triple. Bonjour, messieurs. Mais t'es censé prendre un headshot, là. Bon, ben là, il suffit de bourriner un peu. Hein. Ouais, par contre, là, ça devient un petit peu compliqué. Ça devient un petit peu compliqué. Allez, vas-y, viens là. Attrape ! Attention ! Merde, j'ai loupé l'autre. Allez ! Oh mon dieu! J'aime bien tuer des gens à la grenade. Hop, allez, ouais, un Wes, ça c'est bon. Allez, il y en a un qui se planque juste ici. Oula, il a essayé de me prendre par derrière. Oh! Mais monsieur, tu te fais one shot comme tout le monde, s'il te plaît. Pense à tes collègues. Non. Ok, maintenant ils ont sorti les greux. Donc ça c'est celui-là. J'ai cru qu'il y avait un nouveau sniper, j'ai commencé à me faire du souci. Allez hop, 20 tirs en pleine tête, tu apprends le respect. Hop, 3 tirs en pleine tête. Où est-ce qu'il y a des gens encore ? Là-bas, je vois un tir. Hop, headshot BH. Wow. Respecte-moi, garçon, respecte-moi. Allez, meurs.
Bon, on va bien les retrouver, ces marins, quand même. Mais s'ils nous laissaient passer, ce serait mieux. Hein, on va être honnête. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas un qui se cache là ? Ah oui, merde ! C'est vrai, ils attaquent Sully. Faut faire gaffe aussi à Sully. Allez. Toi, tu meurs avant de toucher le sol, poteau. Je suis en train d'essayer de les sniper avec mon... On a qu'à 47, mais c'est pas évident. De quoi ? Aïe. Barre-toi de là. J'en ai vu un autre me tirer dessus, il est où ? Alors. Putain, ça craint, ça craint, ça craint. Oh ! Allez, il va falloir réussir à gérer la zone. Oula, 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 oula. Du calme. Du calme, copain, du calme. J'ai rien fait. Aide-moi, gamin, tu peux détruire un tour. Oh. C'est compris, c'est les... Toi, meurs d'abord, voilà. Tu me respectes. Ah, là, je suis pas bien, là, je suis pas bien, là, je suis pas bien. Hop, ninja. Biatch. Allez, on vise un tout petit peu plus haut. Tu n'as rien vu. Hop, j'ai mis le grenade. Ah, ça c'est beau ça. Oula, par contre, il y a quelqu'un qui me tire dessus par derrière. Où est-ce qu'il est? Wow. Toi, t'es mort. C'est bon, Sully? On a fini? Eh bon, c'est fini le massacre. Là, pour le coup, je crois que on pouvait pas dire mieux. Alors, 64 munitions, 150 ici. J'ai l'impression qu'on est plutôt bon en termes de munitions. On va juste aller chercher des grenades. Et on va pouvoir partir à l'aventure. Bonjour. Voilà, j'ai des grenades. Je sais pas s'il y en a d'autres à récupérer quelque part. Ah, voilà. C'est bon, on a fait le stock. On est parti pour l'aventure. La vraie aventure, cette fois-ci. Alors là, il faut passer ici, jouer les équilibristes. Voilà, en mode YOLO, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vais pas aller là-bas. Bon, continuons. Ça doit être par là. On est seulement à une petite demi-heure, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, ce sera un épisode de 50 minutes, je pense. Et puis après, je réduirai et vous me donnerez votre avis pour les prochains épisodes. Voilà, je compte au moins tourner 2-3 épisodes de plus. Donc tourner jusqu'à l'épisode 5. Donc les autres se feront environ une demi-heure. Donc je vous invite à me donner votre avis dans cet épisode-ci par rapport à la durée des épisodes, bien évidemment. Et dans les prochains, bien évidemment, je ferai entre 20 et 30 minutes. Et après, j'aviserai selon vos réponses pour l'épisode 2, les amis. Alors, bon, continuons. Excusez-moi, j'ai le hockey un peu. J'ai bu un petit peu trop vite. Et non, Mika, Mina, ni Shua, ce n'est pas ce que vous pensez. Alors... Par là. Alors là, je crois qu'on arrive dans une assez belle zone. Oh, Sully. Regarde ces pierres. Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Effectivement. C'est beau. C'est très très beau. Ah oui. Ah oui. Regardez ça. Waouh. C'est magnifique. Sans déconner, c'est magnifique. Oh là là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, ça... Qu'est-ce qu'on a là ? D'accord. Ah. Un arbre. Hey, regarde ça. Oh, ouais. Salut. Tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On devrait peut-être vérifier. Ouais, allons-y. Même si ça ne m'inspire guère confiance. Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Ah ouais, moi j'y vois vachement en plus. C'est génial. Je prends mon pied. Oula. Bon, écoutez. Foutu pour foutu, on descend. Par en bas. Waouh, on dirait qu'on a décroché le gros lot. Ah oui. Il doit y avoir des centaines de corps ici.
Oh bah bon. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Merde, ils sont tous comme ça. Ah bon, ils ont pu venir se réfugier ici pendant le tsunami. Tu les vois où les dents? Ah d'accord. Ouais, là elles sont grises, mais c'est parce qu'elles n'ont pas de texture. Fouillons la zone, on devrait trouver quelque chose d'intéressant, je pense. Ah. Super joli. En tout cas, j'avais vraiment hâte de voir cette scène en 1080p. Parce que c'est une très très jolie scène. Enfin, assez flippante un peu. Mais aussi très jolie. Alors je crois qu'il faut aller par là. D'accord, ils se sont entretués a priori, d'après ce que je vois. Il y a des gens qui ont pris des épées dans le dos. Oh putain! Saloperie, Batman, je te hais! Hey, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici! Quoi? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Encore de la résine. C'est pas la première fois. Scellé, la lumière. Wow. Et là, c'est le moment. C'est du sang. Il y en a partout. Oh. On dirait un vrai massacre. Ok, suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. Donc en fait, la résine, c'est du luminol, clairement. Bon, regardons un peu ça. Il y a du sang vraiment partout. Ouais, c'est un massacre. Ça semble mener par ici. On dirait qu'elle s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ah, elle s'arrête pas à ce mur, il y a un éboulis. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore alors. Je crois que je me suis blessé. Désolé, Sully. Waouh. Franchement, j'avais vraiment hâte de voir ce moment. C'est vraiment super joli, je trouve. Ici. Oh merde, encore des cadavres. Oh mon dieu. Ah, mais c'est encore pire. C'est encore pire ici. Je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Tais-toi un peu, Sully. Ah non, mais le mec, il a. Non, non. Le mec a une étoile du matin dans le crâne, il se l'est pas fait tout seul. Wow. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Attention. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas me faire une crise cardiaque. Waouh. Waouh, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement? Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet, se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit, c'est au Népal. Ouais, sauf que ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possède le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Faut
faut qu'on y aille. Très bien, donc on a découvert la fameuse dague qu'on avait déjà vue dans l'épisode précédent. Et on en apprend un petit peu plus sur son rôle. Ce serait une sorte de guide, je sais pas, de clé, de... Je sais pas trop comment expliquer ça. Je vais m'assurer que la voie est libre. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Par là ! Ah, bon sang. Allez. Harry ! Par ici ! Ils doivent pas se tirer. C'est Drake. Mais qu'est-ce que c'est ? Les mains en l'air. Ah, tu sais vraiment les choisir. La ferme, Sully. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi, ce vieux Victor Sullivan, tu trimbales encore ce sac à merde avec toi ? Tout doux, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux. C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non ? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole ? Y a une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Oh. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde et le Tibet... Un temple révélera un... Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue. Merde. Tu vas bien? Ouais, bah, comme ça, ce sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Bon d'accord, mais rendez-vous au Népal, Chloé. Ils nous ont repéré. Donc effectivement, on peut croire que Chloé est un agent double, mais pour notre cause au final. Du coup, on l'aime bien. Bon, toi, pousse-toi, j'ai pas le temps. Avec Flynn, ce gros débile encore. Aïe, mais vite. Wow. Enfoiré. Je me suis fait peur, là. Ce vieux Victor Sullivan. Tu trimbales encore ce sac à merde. Tu trouverais pas ton cul avec une boussole, Flynn. J'adore. Par là. Oh, et merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le saut de la mort. Attends 2 secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler? On va se briser le cou, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Les gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là! Oh, merde. Bon. On y va? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin! Yaha! Oh, merde! Fais chier. Tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais. Bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Nate ? Allô ? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère. Qui, moi ? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte? Ouais. Je te retrouve au vieux marché. C'est assez calme là-bas. Ok, compris. J'ai de la compagnie. Oh, génial. Tu peux les semer? Je
J'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. Allez. Mais, tout va bien? Je connais mieux. Bon, nous voici au Népal et dans une situation assez compliquée, si je peux dire. Donc l'épisode fera 50 minutes, hein, je pense, le temps qu'on retrouve Chloé, si on peut. Si on n'est pas mort avant. Allez. Détruis-moi cette saleté. Allez. Non, vite. Oh. Oh merde. C'était beaucoup trop chaud. C'était vraiment beaucoup trop chaud. Ok. Le vieux marché. Et ça doit être par là. Trouvez-le! Putain. Allez! Ah, oh, il est quelque part par là. Gardez l'œil ouvert. Ils ont l'air d'aller bien pour des mecs qui se sont... Tirez dans les pneus! Éloignez-les! Ah ouais, d'accord, mais c'est carrément la guérilla ici, c'est un truc de ouf. Ah, attendez, on va y aller discretos. Chut. Mais meurs. Hop. Il est où? Merde, il est derrière moi. Ah mais non, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Hop. Toi tu meurs. Et toi tu meurs. Quoi? Oh bro, c'est pas parce que t'es roux que t'es invincible, hein, du calme. Se calme tout de suite. Donc ça c'est une grenade ninja. Alors, donc nous aussi, comme je le disais, au Népal, et comme vous voyez, la situation est un petit peu chaotique. Juste un peu, hein, c'est complètement détruit. Mais c'est vraiment un niveau que j'adore. C'est vraiment une partie du jeu que j'adore, tout particulièrement. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses ici, hein, très importantes pour la suite, bien évidemment. Et donc, comme je disais, on va essayer au moins de retrouver Chloé. Et ensuite, on s'arrêtera très certainement ici pour cet épisode. Parce que, bon, ben voilà... Hein, j'ai pas non plus vous spammer, vous gaver avec des vidéos de 1h30. J'ai déjà bien assez abusé avec... Oh ! J'ai déjà bien assez abusé avec FF10. Donc j'ai vu qu'il y avait un fall par contre, je vais le prendre. Non mais... Effectivement, non, tu vas pas passer par là. Par contre, j'aimerais juste que tu prennes ça. C'est un coup par coup ? Ah, sniper. Oh, ça c'est cool. Je prends ça. Je prends. Bonjour monsieur. Désolé. En tout cas, merci pour la diversion. Hein, c'était gentil. Enfin, vraiment, je t'aime. Alors. Pas de trésor quelconque, non. Bon, continuons. On en trouvera bien assez vite des trésors. Non, qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Où vais-je? Alors là, par contre, ça va vraiment être du parcours sans vitesse, hein, je vous préviens. Ça va vraiment être de la grimpette. Mais c'est beaucoup plus... Comment je dirais? C'est beaucoup mieux que sur Uncharted 1. Donc de ce côté-là, ça me pose plus trop de soucis, la grimpette. C'est plus vraiment un problème. C'est beaucoup mieux travaillé, j'ai envie de dire. Alors, hop. Oula, vite. Hop. Voilà, donc nous voici. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment super, je trouve. Non, pas là. Y'a personne. Continuons. Vite. On va finir empalé sinon... Oh putain, c'est pas stable. Franchement, plus poissard que ça, c'est qui? Bon, par contre, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre l'eau. Hein, voilà. La chasse coule. Ah non, mais les gars, c'est même plus une baignoire, là. C'est une pataugeoire. Ah oui. Non, mais je pensais pas être ultra doué au volant. Mais bon, quand même, j'ai trouvé pire que moi. Très honnêtement. J'ai trouvé bien pire que moi. Je traverse pas encore les murs, hein. Je suis pas à ce niveau-là encore. Bon, allez, continuons. Non, en vrai, je conduis pas trop mal.
Alors, je dis pas que je conduis bien parce que voilà, mais disons que j'ai une certaine habitude. Ok, il y a un hélico dans le plus grand des calmes, tout va bien. Oh, bonne soirée. Par contre, c'est un rafale, j'ai l'impression. Du coup, on va faire un fal à rafale. Pardon. J'ai failli faire une grosse connerie, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut descendre avec le... Je sais pas si c'est une bonne idée de descendre, mais on va y aller. S'il faut, il y a des choses à récupérer. Donc, on y va. Oh, putain. Ils m'ont pas vu. Je sais pas comment, mais ils m'ont pas vu. Ah, écoute, ça m'arrange. Oh. Alors. J'ai aucun... Ah. Oh, bonjour. Ok, j'ai trouvé le précurseur du jeu, génial. Bon, bah, au moins, c'est un trophée en plus, j'ai envie de dire. J'avais pas souvenir... Non, très honnêtement, j'avais pas souvenir de ça. J'ai vu la gouttière, je me suis demandé si on pouvait descendre, mais j'avais même pas souvenir qu'on pouvait vraiment descendre, donc... D'accord. Alors, d'abord, on va essayer de remonter. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Là, je vois qu'il y a des trucs sympas. Il y a de quoi faire un peu de grimpette encore. Téléphone, internet, communication. D'après vous, est-ce qu'il pourrait me changer mon forfait internet, là? Parce que... Au point où j'en suis... Mais bon, comme je vous dis, j'ai peut-être trouvé une méthode pour pouvoir vous uploader des vidéos très rapidement et simplement. Donc, bah, bien évidemment, ce serait un sacré plus. On va pas se le cacher. Lui, on va y faire gaffe à lui. Qu'il bouge pas trop. Oula. On peut pas monter sur la poutre? Ah si. Bonjour, vous ne m'avez pas vu. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Monte, monte Nate, c'est tout. Ne saute pas, monte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, un Wes, je prends. Ça, c'est le petit truc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je pense. Alors, est-ce que passer par là, c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais on va vite voir ça. Ok, il y en a un là. Ok, le mec a de suite su où j'étais, pas d'effet de surprise, rien. J'aime bien parce que dès qu'il y a un gars qui fait un passement devant toi, genre d'un coup ça devient un super héros le type. Ouais, par contre ça pue la grenade, voilà. Je pense que si je suis derrière un mur, il n'y a pas trop de soucis, mais encore faut-il que je sois derrière un mur. Non. Allez hop. Toi t'arrêteras de te prendre pour un super héros comme ça. Toi là je t'ai vu. Toi je t'ai vu, monte ta tête. Ah mais c'est chiant. D'accord, il a une sorte de cercle. Remonte ta tête. Parfait, je l'ai eu. Ok, il y en avait un autre par contre. Mais d'ici je ne peux pas l'avoir. Alors, il y a un mec là-haut. Voilà, excuse-moi, je ne fais que passer. Il y en a un autre, hein, il y en a d'autres. Non, 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 le Wes, je le garde. Attends, eh oh. Tu m'as pris pour qui? Je vais en avoir besoin du Wes encore. Oups. Par contre, si t'as besoin d'une arme, tu n'utilises pas les munitions comme une grosse merde, j'ai envie de dire. Ok, alors toi, par contre... Coupe de cheveux, gratos. J'avoue. Hop, en plus il a lâché sa greu. Ouh, boom bitch. Il y en a encore. Alors prenons les munes. Je vois qu'il y a un fol. Deux. Non, le West je le garde par contre. Eh oh, déconne pas. Ah oui, mais ils sont nombreux en fait. Meurt, voilà. Comme ça. Alors, bon, je pense qu'on a quand même bien fait le ménage, déjà. Encore un fol ici. Je prends. Bon, je suppose qu'il y a encore des gens, sinon la musique se serait calmée depuis un moment, déjà. Il y a des AK-47 ici, bonne chose à savoir. Si jamais. Oh oui, mais c'est un véritable nid ici. C'est un nid.
Bon, a priori, ça a l'air d'être calme. On va pouvoir descendre. Je sais pas si c'est une super idée, mais... Oh putain! Ok, je vois le délire. La triplette. Non? Oh, je suis déçu. On dirait que je suis toujours là pour te sauver la mise. Ouais, mais c'est une belle mise à sauver. Oh, ce ne serait pas une ancienne dague rituelle tibétaine que je sens dans ta poche? Peut-être parce que je suis content de te voir. Fais gaffe! Alors c'est ça, la fameuse clé? Effectivement. Le passeport de Marco Polo pour Shambhala. Qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien, à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est que Lazarevitch n'ira pas très loin sans elle. À ta place, je le sous-estimerais pas. Flynn et lui sont en train de mettre la ville sans dessus dessous. Ils détruisent tous les temples les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nate? Je déteste quand tu fais ça. Regarde ça. Est-ce que tu vois ce symbole? Ouais. Regarde là-haut. Ok, je vois la ressemblance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait comment Marco Polo a trouvé le prochain indice. Le temple qu'on recherche va porter la marque de cet emblème. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le trouver. Je sais pas si tu as intégré le fait qu'il y a des centaines de temples dans toute la ville. Oui, mais si on pouvait prendre de la hauteur pour observer... On pourra repérer notre aiguille dans le tas de foin. C'est ça. Il y a un hôtel pas très loin d'ici. Chloé, c'est pas le moment idéal. C'est de loin le plus haut bâtiment de tout le secteur. Ouais. Oh ouais, bon, ok, c'est bien vu. Suis-moi. Ok. Je sais pas qui est le plus gros pervers entre les deux au final. Bon, toujours est-il qu'on a retrouvé Chloé donc dans le vieux marché qui était censé être un endroit calme, je vous rappelle. On a dû utiliser un RPG-7. Je dis ça, je dis rien. Et donc, écoutez, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, bien évidemment, c'est le principal. Et donc, écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. C'était Eagle. Bye bye!